L'information que nous avons pour aujourd'hui, c'est bien question COVID-19 là, qui a fait parler de lui dans le pays d'Haïti avec variant anglais et variant brésilien. D'après ça, l'autorité santé fait connaître. Donc, pendant le dernier, dans ce là, donc il y a eu une note, le ministère de la Santé publique, donc qui portait numéro 383. Donc, avis ça, fait qu'on a gagné, pour Pipiti, il y a 10 personnes qui mourent. Et puis, gagné, disons, 91 nouveaux cas COVID-19 qui, eh bien, recensés à travers le pays d'Haïti. Donc, il faut que nous disions, gagné, à côté des 10 personnes, le ministère de la Santé publique fait qu'on a qui mourent. Donc, déjà gagné, eh bien, des gros personnalités qui a frappé là, en bas, COVID-19. Là, c'est cas. Eh bien, ancien sénateur Grandance, qui fait 3 mandats non, comme sénateur département Grandance, Maxime Roumer, qui mourit, disons, avant hier après-midi, en bas, disons, avant hier soir, en bas COVID-19, dans le département Grandance. Et puis, gagné tout, docteur Yolène Surena-Vaval, donc, yon compétence, et donc, en pile monde fait qu'on est, et que c'est un gros pet pour le pays d'Haïti, puisque il passait plusieurs dizaines d'années à servir l'État, servir la population dans plusieurs niveaux dans l'État. Donc, il mourit dans l'hôpital Mirbalet avant hier soir, bon, 3h du matin. Donc, il y a un pet qui fait en pile moun réfléchir sur la question, puisque dans Yolène Surena-Vaval, donc c'est yon moun qui t'est passé en pile temps à bail population service li pour t'aider nan niveau la santé, nan niveau question les terrains catastrophe naturelle. L'autre information faut que nous disons gagnent eh bien dossier Abelson Gonegla, dossier ça li rete ten face et avocat yo juge yo eh bien séance pour en habeas corpus pour cela. Pour une quatrième fois, il n'y a pas arrivé et tendé, l'audience n'a pas arrivé faite pour être capable de statuer sur le cas d'Abelson Gonègue. Amis téléspectateurs, amis internautes, nous toujours contents de rejoindre pour nous présenter l'édition nouvelle. Ça, nous préparer pour vous. Jean nous annonce au lit, eh bien, c'est COVID-19 là qui continue à faire parler des lits dans le pays d'Haïti, qui continue à frapper la population très fort. Gagné plusieurs personnalités qui continuaient à tomber en bas COVID-19 là, c'est cas ancien sénateur Grandance Maxime Roumer qui mourit avant hier soir en bas COVID-19 là. Donc l'ité la Kaili c'est dans le département Grandance, il décédé après il était fini senti yon malaise, des problèmes respiratoires et qu'il était une difficulté pour le respirer. Donc sénateur Maxime Roumer, c'est yodi, c'est yon monde qui était eh bien, important en pile pour le département Grandanstan, côté, il y a une école qui a formé, une école supérieure qui a formé agronome dans le département. Et ensuite, il est passé, il fait 3 mandats sénateur comme sénateur pour le département Grandanstan. Donc, il est éteint avant hier soir, la Kaili dans le département Grandanstan. Après, il a fini de gagner un gros problème respiratoire. Donc, dans la même soirée, ça a tout gagné, docteur Yolène Surena-Vaval. Lui-même qui mourit tout dans l'hôpital Mirbalet, donc l'hôpital Mirbalet, l'hôpital universitaire Mirbalet. Donc lui-même tout, c'était bon 3h du matin comme ça, donc il était en difficulté pour te respirer. Donc l'aile vivait dans l'hôpital là, donc malgré tout ça a fait pour lui, malheureusement, il semblait que lui était trop tard pour lui. Donc docteur Yolène Surena-Vaval, qui c'est madame docteur Surena. Donc lui-même, eh bien, lui est parti là pour pays sans chapeau. Donc en pile monde fait qu'on est. Donc c'est un gros pet pour pays puisque c'est un cadre qui eh bien servit pays d'Haïti, servit la population, servit l'État à différents niveaux, passé dans le ministère intérieur à travers les gains problèmes question eh bien question catastrophe naturelle. Donc il était là dans la question protection civile. Et à bas information et ensemble avec ancien capitaine météo, défunt capitaine météo, à bas information pour 10 monde qui comportement pour gagner devant une série de catastrophes naturelles et une série de eh bien événements les a passé donc et qui comportement yo doué gagner pour yo pas eh bien victime de événements ça yo en pile monde d'accord c'est une grosse compétence pays a perdu qui capable difficilement pour yo remplacer.
L'autre information qui a rapport avec COVID-19 là, à côté des gros autorités qui ont tombé, moun qui ont gros nom qui ont tombé, eh bien, moun qui pas gen nom tout gagné qui continue à tomber. Donc, ministère santé publique, dans un dernier avis, li publié, journée vendredi, a, eh bien, il fait qu'on est, donc, numéro avis ça, c'est 383, il fait qu'on est gagné 10 moun qui mourit pendant dernier moment sa yo, mette sous, eh bien, quantité qui était 15 qui était mourit dans avant dernier avis, de mette de yo, ça fait 25 moun qui déjà mouri à partir de la question COVID-19 là li redérapé dans le pays d'Haïti. Donc gagné 91 nouveaux cas COVID-19 ministère santé publique signalé pendant dernier jour ça yo mette sous ça yo te gagné déjà. Donc les toujours de mise d'après sa ministère santé publique fait qu'on est toutes mesures barrières yo mais li important pour population li même pour les mettre en pratique, question, mettez masse dans figi, dans visage, tout le monde mettez masse dans visage, deux pas distance, et puis laver main autant que possible. Et alors, le plus souvent que possible. L'autre information, pour une quatrième fois, il y a un dossier, habeas corpus, Abelson Gonegla, ancien policier, ancien porte-parole SPNI 17, mais Jijio Pat présent dans le tribunal là, vendredi, pour être capable de tenir audience si là, audience en habeas corpus là, pour être capable de tendre Abelson Goneg, et puis pour avocat, il plaider en faveur gagné maître Arnel Rémy ben qui c'est avocat Abelson Goneg il fait connait malgré autorité yo a pratiquer une politique pour décourager avocat yo ben dossier Abelson dossier Abelson Goneg là donc il dit ben yo pas décourager sous dossier a donc il a continué eh bien mener démarche il fait connait pour kounia yo pral ben me mandé pour que yo fait habeas corpus chaque jour puisque les yo fait intervalle eh bien juge yo vini un jour l'autre jour yo pas vini donc yo fait exprès jour yo connaît qui gagne habeas corpus pour Abelson Goneg eh bien yo boudé tribunal là yo pas mettre pied et donc met Arnel Rémy fait connaît donc c'est eh bien pile sous pile prisonnier yo qui en plus passé 4000 prisonniers cap manger prison dans pénitencier national donc les situations pénitentiaires qui sont droits humains les graves elle dit les constater avec Déril gagné 4 moun 4 cadavres yo t'a sorti avec yo dans prison donc les relais il fait un rel un SOS by autorité la justice pour qui gens yo capable mais améliorer condition temps mes séances pour tendre prisonnier yo et une façon pour capable et ben joindre libération yo si la yo qui méritait et joindre libération yo pour connaître so yo nous invitons écouter maître Arnel Rémy comme vous le voyez comme vous le comprenez le dossier patine l'homme dit le dossier patine où est que jusqu'au moment où je vous parle dossier Abelson Goneg n'a pas passé parce que ça qui passé, un, les acteurs principaux du pouvoir judiciaire, les acteurs principaux du parquet, une fois de plus, ils n'ont pas daigné se présenter à leur bureau. Lundi, là, mardi, il y a Abéas. Mercredi, là, jeudi, il y a Abéas. Vendredi, autant de Abéas, personne ne va venir. Bon, comment ça va faire? On va lancer Abéas toute semaine net. Et là, je vais mettre les commissaires face à leurs responsabilités. Alors, ça qui passe, doyen, vendredi dernier, Jean Dewella, tu es supposé tant de dossiers parce que tu as fait choix de juge Gary Aurélien comme représentant du ministère public. Pour qui ça va faire choix de lui, c'est la loi qui le prévoit. Puisque les commissaires du gouvernement n'étaient pas présents ce jour-là. Malgré leur signé, malgré leur sommet d'audience, ils ont boudé une fois de plus l'audience en habeas corpus. Eh bien, puisque c'est une question de liberté individuelle, doyen dit bon, moi-même, j'ai décidé de choisir un monde qui peut représenter le ministère public. Gary Aurélien. Gary Aurélien choisi depuis 13 mai. Nous sommes aujourd'hui le 29 mai 28, si je ne m'abuse. Personne n'est pas venu. Moi-même,
m'rete confiant que tolalito ça qui a fait dossier ça, c'est pour décourager les avocats. Le pouvoir est en train d'appliquer la politique de l'usure. Elle dit fait n'est fatigué. Je comprends votre jeu. Même ses droits, ça avocat mieux, je défends les droits humains, je défends les libertés individuelles. Je ne vais pas venir décourager nos batailles. Je m'habitue à ça déjà. Donc nous-mêmes comme avocats, nous restons là. C'est parce que nous avons tant de droits. Pour au moins nous dire droits, prends siège. Pour qu'à permettre que pour choisir l'autre juge dans la place Gary Aurélien. Parce que si je suis Gary Aurélien pour être pour venir. Et Abelson Bonnet avec tout l'autre prisonnier politique qui a groupé dans la prison. À travers ça qui a passé là, je veux que le peuple a proposé nos bagailles. Pas aucun effort qui a fait pour que Haïtien ou le peuple haïtien ne justice. Pas aucun effort. Pouvoir former une commission créée Sénat, Commission nationale d'assistance légale, pour combattre la détention de la psychologie. Abelson a arrêté, Abelson a gagné 2 mois. Le même comme avocat fonctionne à Bias Corpus, pouvoir estimer ses fréquents, commissaire gouvernement va venir. Et qui répercussion ça va gagner? Répercussion par sous prison. Yo. Mal visité prison, hein? Pendant ma part, j'ai 5 mounes qui ont sorti, 5 cadavres. Maintenant, on comprend que le jour est à 1,50 m dans l'autre. Et mounion de prison, c'est pile sous pile, tant que bête, tant que sardine. Et en prison, il y a plus de 4 à 5 000 personnes. On comprend que le virus circule en prison, tout et tout le monde. Et des gens qui ont arrêté pas dans rien. Qui ça pouvoir dire ça? Est-ce que le commissaire a toujours été chitabou dans la comme on vient? Est-ce que bon politique capable d'appliquer pour permettre que vous contraignez tout commissaire vienne travailler, pour contraignez tout juge vienne travailler, pour permettre que Timalé et Timalé viennent juger? Assise pour que j'aime plaider là. Assise pour que j'aime organiser. Lorsqu'il y a 1000 moun, 2000 moun, 3000 moun, on t'a supposé la guerre assise. Tout autant par la guerre, c'est la population carcérale qui augmente. Lorsqu'il y a des jeunes avocats comme Anel Rémy qui voulaient aider, qui voulaient contribuer dans le combat contre la détention de Boulanger, et qu'il y a un commissaire gouvernement qui a payé, qui a perdu, qui a tout bag, chita bunda la kao, qui a message pour les gens dans la prison. On même comprendre que le papa ici a levé, la femme a levé pour de bon, pour demander l'autre justice. Parce que acteur qui n'a tête système non, acteur sont pas favorable à l'avancement système non du tout. Lorsqu'on ministre justice qui est responsable de commission gouvernement, ou même encore qui est là pour faire appliquer la politique pénale du gouvernement, et puis c'est ou même encore qui a baillé l'ordre pour pas venir tendre à Habeas Corpus à Belson Bounèg. Plus loin, M. Arnel Rémy mandé policier yo ben sou ka Abelson Gonèg la pour faire solidarité avec ancien policier, ancien porte-parole SPNH 17 Abelson Gonèg qui a coupé dans prison. Donc il fait connait autorité yo nan pouvoir yo décidé kembel nan prison par exprès. Donc yo fait exprès, yo mandé juge yo pour kembe, disons pour yo pas tenu séance, pour pas faire séance nan ka Abelson Gonèg. Met Anel Rémy mandé population pour le lever campé contre mode système justice ça, mais qui a cautionné impunité, qui a cautionné corruption, qui a violé droit moun nan prison. Donc yo façon, donc yo dit façon moun yo a vivre dans prison en tant que bête, donc yo pas capable supporter situation ça encore. Surtout nous avons une période côté Covid 19 là a ga école dans pays d'Haïti. Mais Arnel Rémy fait qu'on est si Covid 19 ça a entré dans prison, et bien c'est une catastrophe. Nous invitons au côté yon l'autre fois. Et faut que les policiers comprennent ça. Je veux que vous fassiez preuve de solidarité face à Abelson Gonèg. Parce que Tikatoua et 2500 vous quittez sous lui. Maintenant, vous avez un peu sous lui. Condition de travail là. L'on commissariat Pinez Ravet dans Vaillou, c'est ça la revendication de lui. Changer les conditions de travail. Et comme avocat, la lutte pour le respect et la préservation des libertés individuelles, il n'est pas supposé camper là. Et moi, Mabdil, il faut que ça change. Peuple haïtien, levez-vous, demandez à ce qu'on vous donne une autre justice, parce que nous ne pouvons pas accepter que droit mon a violé comme ça. Moun qui n'a prison pas fait rien. Prison femme n'a presque 300 moun jusqu'à 400 moun
50 moun ki jouye seulement. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Il y a arrêté presque 25 moun mis au ton pour acte de banditisme. Infraction pas même existé. Il y en a en prison toujours. Est-ce que nous allons continuer à être bras croisés pour accepter que Jovenel Moïse, à travers ses sbires, à travers ses acteurs, viole les droits comme ça? Il faut se lever, il faut changer les conditions, il faut que le pays sorte de ce marasme. Il faut que notre appareil judiciaire change d'orientation, parce que si c'est dans le sens violer droit monde, violer liberté monde, pas permettre que monde ait un procès équitable, pas permettre que monde ait droit d'accès à la justice, je vous garantis dans les années qui viendront, nous constaterons l'effondrement du pays. Depuis justice ça pas bon, pays n'a pas marché, et nous même comme on a dit, faut yo changer acteur, faut population levée, et faut permettre que tribunal fonctionne correctement. Pour Timalere, qui a arrêté 10 ans, 15 ans, qui pas jamais venu dans l'assise, vient juger. Merci beaucoup. Est-ce que nous parlons de juge là? Si oui, qui ça juge là? Yes. Après ça, est-ce que nous-mêmes, avocats, qui démarchent pour entreprendre là tout pour nous avoir une libération? Bien sûr. Le juge Gary Aurélien a reçu plusieurs appels venant des avocats du cabinet Advocatus, venant des avocats du collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme. Je n'en dis pas dehors, je ne suis pas là pour mon province pour le moment. Alors, qu'à comprendre, ma banque garantit que si ça avait été aux États-Unis, si ça avait été en France, le procureur ou bien un juge responsable dans le tribunal de Paris t'a pris une décision pour dire écoutez, maître Anne-Rémy, vous êtes désigné, je garantis, premier monde qui tape là, c'est Julien qui tape là. Mais en Haïti, on ne respecte pas les valeurs, mais en Haïti, on ne respecte pas l'état de droit, mais en Haïti, on ne respecte pas les libertés individuelles. Tout le monde fait ça au vlet. Qui prochaine démarche nous? Prochaine démarche nous, c'est moi-même comme avocat, rester là. J'en dis là, m'a prêté là pour tant de doigts pour le prendre siège et choisir un autre juge qui va le remplacer Gary Aurélien. Parce que je ne peux pas faire vim à tant Gary Aurélien pendant que Abelson Gouneg, pendant que mon équipe l'autre monde cap croupi en prison. Et faut comprendre qui répercussion ça va le gagner. Comportement commissaire pour gagner répercussion sous prison. Gain Covid là. Nous avons mouru dans le Covid-19. Depuis, pas qu'à gagner assise. Depuis, nous pas qu'à juger. Elle dit c'est plus de temps que nous avons dans. Admettons que le virus est dans la prison. Il y a 5000 personnes dans la prison. Et puis, il y a 10 pour respecter 1,50 m de distance. Pendant que nous dans la prison, nous avons des sardines, des patates. Ou est-ce qu'il y a une catastrophe qui a gagné? Famille qui a perdu petit. Eh bien, que la commission pour responsabilité. Que ministre en responsabilité, que PM AI Claude Joseph prend responsabilité, mettez appareil juste à fonctionnel, rendez fonctionnel, organisez assise, organisez ABS. Si le commissaire gouvernement va le venir, révoquez, mettez l'autre monde, parce que faut que justice en fonctionne, parce qu'un pays ne peut fonctionner sans un appareil judiciaire adéquat. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous camper à l'édition spéciale ça. Nous remercions pour écouter avec attention. C'était amis et frères Met Info qui t'a servi. Nous casser rendez-vous demain, même les à même chaîne. Si papa bon Dieu content. À bientôt.